Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Apprendre l'électricité. Vous voulez connaître la consommation de vos appareils électriques ainsi que le coût que cela engendre? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Allez, je vais vous expliquer tout de suite comment on calcule ça. À tout de suite. L'unité de l'énergie électrique, celle qui vous est facturée, est en kilowattheure. Et la formule pour la calculer, c'est E égale la puissance en kilowatts multiplié par le temps T en heures. Donc des kilowattheures, ben c'est forcément des kilowatts fois des heures. E égale P fois T. On commence directement par un exemple concret. Disons que vous avez un convecteur de 2000 watts dans votre salon que vous allez allumer en rentrant du travail jusqu'au coucher, donc de 18h à 23h par exemple. Ça fait 5 heures de temps, donc 2000 watts pendant 5 heures. L'énergie consommée sera, si on met 2 kW fois 5 heures, l'énergie consommée sera 10 kWh. Pour savoir combien cela vous coûte, il faut multiplier le nombre de kWh par le prix TTC du kWh. Je vous mets ici les tarifs réglementés EDF au 1er janvier 2022. En arrondissant à 16 centimes le kWh, cela vous coûtera 10 fois 16 centimes égale 1,60 €. Donc cette utilisation du convecteur de 2 kW pendant 5 heures vous aura coûté 1,60 € TTC. Je vais vous donner un exemple que je juge plus intéressant avec une voiture électrique que j'ai à la maison et que je recharge via une prise classique au garage, donc en courant alternatif avec 230 volts et un chargeur qui délivre 12 ampères. On a vu dans une précédente vidéo que P égale U fois I, donc la puissance égale la tension fois l'intensité du courant, égale 230 volts fois 12 ampères, égale 2760 watts. Ça fait 2,76 kW. Sachant que pour avoir une recharge complète, cela dure environ 20 heures. Donc pour calculer l'énergie consommée, c'est E égale à 2,76 fois 20 heures égale 55,2 kWh. Maintenant, on veut calculer le prix que nous a coûté cette recharge complète. Donc on fait le nombre de kilowattheures fois le prix du kilowattheure, TTC, ça nous fait 8,83 €. pour plus de 400 km, pas mal, non? À ces exemples, il faut bien sûr rajouter le coût de l'abonnement mensuel qui était sur la grille que je vous ai affichée tout à l'heure, entre 8 et 20 € en fonction de votre abonnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris des choses et qu'elle vous servira, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la sortie des prochaines vidéos qui pourront également vous aider. Vous pouvez aussi aller dans la description, regardez le premier lien, c'est mon site, je suis électricien, donc si vous avez besoin d'une aide personnalisée, je suis là pour ça. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !